Ah, mais c'est là que ça sort. Qu'un peu de chance. Ça va peut-être pas être ici. Ils sont combien là? Ils sont deux, tu me diras. C'était peut-être overkill, mais je voulais savoir s'il y avait un chemin. On va peut-être ranger ça aussi. C'est pas la meilleure pièce à conviction du monde. Vous n'êtes pas perdu, j'espère. C'est à l'intérieur que ça se passe. Vous me faites délibérément chier, je vous avoue. Donc je vais tuer le superviseur qui bloque l'entrée. Discrètement, si possible. Et de ce fait, je vais essayer de descendre. Alors, à tout hasard, il n'y aurait pas la même sorte de chemin à droite, non. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vois pas comment je peux passer autrement, j'ai aucun sorte d'illusion ou d'invisibilité. Je ne vois pas d'autre chemin. Cette gelée ne m'inspire pas. Après, là, honnêtement, c'est du schnapps. Ok, ça ne l'a pas tué. Ah ok, oui c'est vrai que ça imagine fonctionne pas, ok. Bon, on va visiter le sous-sol en attendant. Visite le sous-sol. Sous-sol rigolo. Où est-elle? Allez me la chercher. Oui, oui monsieur. Alors attendez, j'ai un tout petit problème. Donc les trucs ne fonctionnent pas, donc on va plutôt garder ça par exemple. Ok. Ok. Donc là. Ok, nul sur 20. Enfin, il doit y avoir des trucs rigolos. Ok. Bon, ok, au moins d'accord, je sais où est le sous-sol. Il n'y a pas moyen de rentrer autrement. Hein. Parce que si je pouvais faire par dehors, par exemple. Si je peux passer par les égouts. Mais à mon avis, ça m'aiderait pas beaucoup. Ok. Ok, donc le sous-sol est là. Ok. Alors. Maintenant, il va s'agir de remonter sans se faire buter. On met un peu la vie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Quoi? Mais elle a bugué. Ok. Je vérifie, hein, je vérifie tout. Ici il y a quoi? Ok, là il n'y a rien. Et là? De même. Ok, maintenant. Ok. J'ai pas une arbalète discrète? Tu viendrais pas là? Ça me saoule. Mais non, mais toi t'abuses. Ok, on va les avoir petit à petit. Hein. Ah, attendez, on m'appelle. Désolé, je m'occupais de l'orage.
Voilà. Et bah voilà. C'est beaucoup moins chier lui comme ça. Bon. Le mec qui n'avait plus de respect. Bonjour, je cherche une ladybug. Ah. Non, non, s'il vous plaît. Mais elle est morte là. Bon, on va la ranger là-bas. Alors, attendez deux secondes. Je pensais pas que ce. Si, 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 attendez deux minutes. Deux minutes, deux minutes. Je vais trouver les autres. Parce que si les ont tués. Ah. Deux secondes. Non, attends, deux minutes. Elle est où? Bon, du coup, voilà. Elle est pas là non plus? Mais non, mais arrêtez vos conneries. Ah, attendez. Un superviseur. Du coup. J'ai des munitions? J'ai des munitions. Ok. Ok, ça c'est bon. Là, je vais avoir karma d'enfer, hein. J'espère que c'est toi. Alors. Pitié, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'il dit? Bon. J'espère que c'est la rouge, hein. Et si c'est pas elle, bon, il y a elle, elle est morte, je sais pas comment. J'espère que c'est pas elle, parce que sinon je serais un peu triste. Mais là, jusque-là, bon. Ce qui est ironique, c'est que tu sais, je fais ça pour avoir moins de karma et puis je suis 12 hommes en passant. Et pour une fois que je tue pas la cible. Crétin, ce n'est pas elle. Le temps est compté. T'es chier. Je vous laisse encore une chance. Une? Oula! Bon, de toute façon, il y en a une, elle doit être pas vivante. Donc si c'est pas la blanche, de toute façon, dans tous les cas, j'ai réussi. Enfin, plus ou moins promptement, mais. Donc, bon. Alors, bonjour. Elle est où la dame? 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 Allez, allez. On va faire dodo, madame. Vous êtes bien lourde. Ça doit être vous, la cible. Elle est morte, hein. Là, elle est où ou pas? Non, tu regardes le live ou... Pour savoir. Ou au lieu même, hein. Je sais pas qui est là en fait. Si vous êtes là, manifestez-vous. Comme je le dis souvent. Elle est là. Ah. Dépêchez, faites-la monter. Nickel. Wouah. Mon amour, un jour vous comprendrez. Vous avez fait de moi le plus heureux des hommes. Un jour elle apprendra à m'aimer. D'accord. Elle a toute la vie devant elle après tout. C'était donc ce que voulait dire l'outsider en fait. Soit vous la tuez, soit elle vivra encore longtemps. Bon. Tant mieux, hein. Faut que je sorte de ce nid, là. Bon, là j'ai pas la clé du coffre, mais ça se trouve j'ai tué quelqu'un qui l'a, donc on va essayer de la trouver quand même, si jamais. Hein. C'est ça qu'elle ressemblait. Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait la clé du coffre? Ah, peut-être qu'il y a quelque chose. Ah oui, la rune! Attendez! La rune, quand même, la rune! Et puis en plus, on peut sortir par les égouts, je suis complètement con, moi. Attendez, attendez, attendez. C'est pas fini. La petite rune rigolo. Ah, bah oui, c'est pour ça que je cherchais la clé, en fait. Instinctivement, j'avais deviné. Bon, bah vous savez quoi, j'ai la flemme, donc voilà. C'est pas une reine près que je vais perdre le jeu, hein, de toute façon. Osef. Alors attendez, on va bannir Polygaming Live. Ah, ce n'est pas possible. C'est très dommage. Je peux pas m'auto-bannir. Dommage. Bon. Là, il y a un charme d'os, mais on va s'en battre les couilles. Du fil de cuivre. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des piranhas? Non, bon, il n'y a pas de piranhas, c'est déjà ça. Là il y a un volant donc je peux sortir en principe. Allez, sésame.
Open your door. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, pourquoi le bateau est en haut? Oula, oula. Oh oh. What? Non, vilain le poisson. Je... Attendez, je peux peut-être le buter avec ça. Ah mais, très vilain. Bon, attendez. Mais... Ok. Faut buter par des piranhas à la con. Pas sérieux. Que le bateau est juste derrière. Coucou. J'espère que la soirée vous a plu, mais c'est l'heure de rentrer. Nickel. Allez, on y va. Let's go, Sam. Ah, quel bordel. Plutôt pas mal. C'était équilibré, on va dire. Même si c'est vrai que j'ai passé du temps, au moins ça aurait été un peu plus recherché que les autres meurtres, parce que... C'est vrai que les Pendleton, bon bah c'était rigolo, il y en a un, j'étais derrière lui et puis je le suivais. Ah non, c'était peut-être le Campbell, bon je sais plus, il y en a un que j'étais juste derrière lui à un moment. Ah oui, non, non, Pelle Bunto, je lui ai envoyé une bouteille dans la gueule et je lui ai tranché la gorge, c'était plutôt rigolo. Lord Pendleton a dit qu'il nous retrouverait ici. Il faudrait aller voir à la cave, perdre sa famille, ça peut donner soif. Tu manges et tu es comme ça, oui. Peut-être. Attendez, je vais me servir à boire. Je suis désolé. Bon, actuellement, je ne déplace pas ma souris. Parce que je ne l'ai pas dans la main. De l'hospitalité des boys. Wallace ? Lord Pendleton a hâte de vous voir. Je crois qu'il prend... Au masque, cette lettre, votre attention, vos actions ne sont pas passées inaperçues. Il y a un paquet près de votre lit, ainsi que de la part de celle qui voulait vous pardonner. Un soldat. Mais Tiki, toi, je t'ai jamais vu ici. Attendez, note tes paquets d'abord. Oh ! Qui que vous soyez, je dois vous remercier pour avoir moins épargné ma partie de famille. Oh, merci, je sais plus qui t'es, mais Boyle, tu t'appelles. Enfin, le mari. Enfin bref, pas important. Regarde, Ninja. Bien joué. Nous nous sommes débarrassés. Bien joué. Noble de surcroît. Cette Boyle était une vipère. Elle a aidé le Lord Régent à tuer l'impératrice. Je n'ai donc aucun regret. Pour ma part, j'ai entendu que vous aviez défendu mon nom d'une façon plutôt spectaculaire et en prenant des risques. Je tiens à vous remercier. Ce petit objet a aidé ma famille depuis des générations. Mais je crois qu'il vous sera bien plus utile qu'un. Rune ou charme? Alors, prenez-le. La nuit a été longue pour vous, Corvo, mais elle n'est pas encore finie. Avlok et Martin vous ont déjà préparé autre chose. Oh. Ils veulent vous voir tout de suite, dans les quartiers d'Avlok, au-dessus du bar. Une rune. Du coup, ça nous fait déjà deux runes. Ah, quatre! Waouh! On peut peut-être s'acheter un truc qui déchire. C'est quoi le niveau 2? Tout est fini. Tous vos ennemis finissent ensemble. Donc ça veut dire que, en termes de discrétion, si j'ai envie de... Ouais. Ça c'est stylé, une vorace. Peut-être possession. Vorace de l'instant est capable de tuer en projetant l'ennemi contre un mur et de briser des portes. Ça peut être rigolo ça, hein. Moi je.
clignement, vision des ténèbres. Qu'est-ce qu'on a de stratégique là? La représentation des sons posés aussi visible. Bon, en gros, c'est un peu mieux. Et là, améliore la régénération. On va jouer fun. Fusroda, très efficace. Votre attention, citoyen de Dunwall. Les rues adjacentes au manoir Boyle restent interdites pendant longtemps. Corvo, l'heure est venue. Tout ce que nous avons fait, tout ce que vous avez fait, c'était pour que ce moment arrive. Ah bon? Le Lord Régent est exposé, Corvo. Il est vulnérable. Tout est maintenant en place pour s'en occuper. Nous sommes à deux pas du trône. Un seul homme, un seul cœur qui bat. Voilà tout ce qu'il reste des forces qui ont amené cette ville au bord de la ruine. C'est simple, mais ce sera tout sauf facile. Le Lord Régent est plus paranoïaque que jamais. Il n'a plus le soutien des superviseurs, ni du Parlement. Il n'a plus de financement et il n'a plus Sokolov, qui a créé sa technologie de sécurité. C'est à Dunwall Tower qu'il a rassemblé tous les hommes qui sont restés loyaux envers lui. Il sait que quelque chose se prépare. Il sait que vous venez. Et il faut tout faire pour lui donner raison. Pierrot va vous assister, puis Samuel vous rapprochera de la tour, près de l'écluse. Tout ce cauchemar a commencé lors de votre dernière venue là-bas. Il est temps d'aller y mettre fin. En plus, c'est un joli endroit, il me semble. Bonne chance, Corvo. Ouais. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus, sinon que nos espoirs reposent sur vous. Eh ben, dis donc. Je dois avoir une montagne aussi grosse qu'Atlas sur les épaules. Salut, chérie. Une fois, je me suis invitée à une fête chez les Brimsley. C'était plutôt bizarre. Ouais. C'est plutôt le chéri, moi, qui m'a... Bon. On va aller voir Pierrot. Oh, Pierrot. Vous voulez que je fabrique quelque chose pour vous? En effet. Je peux tout faire. Enfin, presque. Nickel. Oh. Bot furtif 2. En fait, j'aurais peut-être... Yvan, une rune. Pff, ouais, c'est rien. Alors, pistolet. Qu'on peut utiliser avec différents infliges de dégâts dispersion. Précision, chargeur, rechargement. Ok. Réserve de spirale, réserve de grenade. Voiture tire. Verre pour masque. Rechargement d'arbalète. Pour un total de 20 carreaux. Je suis en train de douter un petit peu. Ça, c'est vrai que c'est sympa aussi, mais... Ça, le zoom suffit amplement. C'est vrai que les carreaux, j'adore les utiliser, donc... Ou alors, soit je fais que du carreau anesthésiant. Mais dans tous les cas, j'ai besoin de plus de place. Voilà. Du coup, on va acheter... On va limiter le karma. Hein. On va prendre des carreaux à 1500. Alors attends. Qu'est-ce que c'est? Ok, prends le mec des cristaux. Bon, ok. Ok. Nous pouvons y aller. Je regarde juste combien de temps ça fait qu'on est en live. Alors, ça fait 57 minutes plus 10-20 minutes de réglage. Donc on peut continuer amplement. Je sens que je vais aimer cette mission. Le Lord Régent, il est temps qu'on s'occupe de lui. Plus que temps. Je sens que ça va pas être terminé même après. Enfin, je sais pas ce que... Je sais pas ce que je peux en dire, mais... J'ai pas l'impression que ça va se calmer après. Enfin, du moins, hein, que c'est pas la dernière des enculés. Ça me rappelle le début du jeu. Vas-y, voilà. Vos derniers souvenirs de Dunwall Tower n'ont rien de réjouissant, pas vrai?
Effectivement. Alors c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Ça va faire une sacrée grimpette depuis les ruses. La priorité, c'est d'abattre le Lord Régent. Il s'est construit un joli bunker en haut de la tour. La salle sécurisée, qu'il appelle. Il est complètement frappé. Quitte à jouer les touristes, il y a un autre endroit qui vaut le détour encore. La station de radiodiffusion. C'est de là qu'ils diffusent leurs annonces. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Vous êtes prêts? La prochaine fois qu'on se verra, le Lord Régent sera mort. Sinon, j'aurai eu l'honneur de servir à vos côtés. Je crois qu'on peut y aller. Alors, comment on monte ici? Est-ce qu'on peut descendre déjà ici? Un chemin sous-marin. Oh. Est-ce qu'il y a un cœur? Un cœur. Charme d'os juste ici. Deux runes. Ok. Oh, du chemin ici. Merde. Oh, il se rend. Bon, de toute façon, on peut se TP, hein. Hop. Hop, 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 hop. Oula. Son qui bug n'amasse pas mousse, hein, bien évidemment. Ok, j'ai oublié que ces trucs me tuaient, je suis désolé. Quelque chose se prépare. Des blessures mortes. Hein? C'est derrière. Merde! Oups. Pas fait exprès. J'essaie de savoir quand je peux frapper, mais je crois que ça va pas changer grand chose. J'ai envie de jouer bourrin cette partie, donc. Merde, raté. Je sais pas s'il y a moyen de monter. J'ai trouvé mon affaire. Tous les nouveaux rapports de mission sont à remettre à l'officier de garde. Est-ce que je peux monter encore plus haut, vous pensez? Non. Ça me paraît difficile. Même avec toute la volonté, non. Non. On va essayer. Ça anesthésie pas? Même pas un peu? Et est-ce que ça marche, vous croyez? Est-ce que vous êtes prêt à me voir faire n'importe quoi? Lui d'ailleurs, il fait un peu nerveux aussi. Oh, what? Oh, tiens. Aïe, j'aurais essayé. Oh, il m'a coupé la tête, ce con. Très bien. J'ai vu pourtant un QTE. Peut-être qu'il y a moyen de le tuer discrètement, hein, sur le tuant. Que le pouvoir lui a rien fait, hein. Je vois sur le live. Le Lord Régent conduit ses
affaires et prend tous ses repas dans sa salle sécurisée. Y, tout là-haut, sur le toit. Ça lui retourne pas l'estomac. Il ne mange pas en regardant par-dessus le rebord, idiot. Cela dit, il paraît qu'il aime un jeu de temps à autre. Ouais, j'aime. Moi aussi, j'aime bien jeter un coup d'œil quand même. Je sais que vous êtes là. À tout le personnel de Dunwall Tower. Tous les nouveaux rapports de mission sont à remettre à l'officier de garde. Mais nul sur 20, hein. Les barrières titées, hein. Vous resterez pas caché longtemps. Oh putain. Quoi? Mais what the fuck? Et lui ça marche et moi j'arrive pas à leur tirer dessus. Oh mais non, mais bon. Ils m'ont saoulé, hein. Vous savez quoi? Ils m'ont brisé les notes. Merde, je me suis trompé. Bon alors là, festival. Je voulais utiliser le... Merde, mais je fais n'importe quoi. On est saoulé. Oh, ils m'ont cassé les couilles. Attendez. Il fait trop chaud. C'est plus le PC qui surchauffe, là, c'est moi. Remonte, mana de merde. Tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé. D'accord. Vous m'avez tous... Non, ah. Bon, tu veux pas bouger. Toi, tu vas y aller, toi. Ah, d'accord, c'était donc ça. Ok. Alors, du coup, le cœur, il est où? Ah, il était... Et moi, je cherche à monter pour chercher le truc d'os, mais il est en dessous, en fait. C'est-à-dire que là, plus troll, tu peux pas, en fait. Ah, putain. Bon. Putain, j'ai plus de mana, quoi. Mais en plus je pouvais monter sans le clignement. Mais alors là, mais c'est festival, hein, comme je disais tout à l'heure. Bon. Tant pis pour le karma. J'ai récupéré des... Non. Ça passe ? Ouais, c'est génie par contre. Bon, plus ouf. Ça on peut le désactiver ou pas, je sais plus. Non. Faut que ce soit possible. Combien là? Ok, je suis dans la merde. Bon, je vais utiliser le ralenti, hein. Je perdrai moins de temps. Qu'est-ce que le dire, il y a personne ici en ce moment. Oh, c'est pas mal. Ça. Je sais pas s'ils m'ont tous repéré ou pas. Non, j'ai pas l'impression. Ah si. Bah t'es rigolo. Oh putain. Bon dieu de bon dieu, bon dieu de bon dieu. Aïe 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 aïe. C'est le moment. Fous, Roda! Non, j'ai plus de batterie! Putain. Putain, je fais n'importe quoi, mais c'était rigolo. Hop, 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 hop. Putain, plus de batterie, quoi. C'est déconné.